Madame et monsieur, bonjour et bienvenue sur notre borne. Je suis sûr que vous êtes chaud, vous voulez savoir, vous voulez tous, nous voulons tous savoir, est-ce qu'il est possible de reprendre son âme au diable après l'avoir vendue? Aïe, aïe, aïe! Sur cette vidéo, c'est tout, s'abonner, activer la cloche, parce que je suis sûr qu'il y a une autre vidéo forcément qui va suivre celle-ci, celle-là. Alors, abonnez-vous, là maintenant. Vendre son âme au diable, waouh! Vendre son âme au diable, ça veut dire que vous avez livré votre âme à Satan. Donc, votre âme est tenue captive. Elle est enfermée, enchaînée. Et c'est un autre esprit qui est en vous, qui fonctionne avec votre corps. Et tout ce qui renferme toutes ces choses. Bon, si l'âme est enfermée quelque part, c'est que cette âme-là, on peut la faire sortir. Entre nous, on peut la faire sortir de cette prison. Regardez là-bas, il y a une télévision, là. On suppose que c'est celle-là, l'âme. Mais il y a quelque chose autour qui protège cette télévision comme si c'était une prison. Mais on peut déverrouiller, faire sortir l'âme de là. Mais le problème ici, c'est que il doit avoir un être supérieur à celui à qui vous avez vendu l'âme pour pouvoir le forcer à libérer l'âme. C'est l'âme que nous allons parler de la délivrance. Et cette personne-là seule qui est capable de réaliser cela, que vous le vouliez ou pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est choquant, non? Je suis sûr que c'est choquant! Tu es choqué. Tu dis, tu veux être toi. Tu veux dire, je vais être moi-même. Je ne vais pas ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Je vais être moi-même. Tu veux être toi-même. Mais là, ton toi-là, toi-même, là, il aime les femmes. Tu veux pas une femme, tu veux plusieurs femmes. Ton toi-même, tu veux être là. Tu te livres à la boisson. Tu fais tout ce qui est mauvais. C'est ça, tu veux toi. Ressemble à Jésus-Christ. Je pense que c'est mieux. Encore lui. Encore lui. Donc, seul le Seigneur Jésus-Christ pourra délivrer l'âme de celui qui a vendu son âme au diable. Ça veut dire que celui qui a vendu son âme au diable a sa conscience qui revient. En fait, la conscience du mal, c'est-à-dire l'esprit du mal, du mauvais, intervient en général quand il doit intervenir. C'est-à-dire il intervient pour un but. Par exemple, quand certains stars, certains artistes célèbres vous disent qu'ils ont deux personnalités, la personnalité où ils sont tranquilles chez eux et la personnalité où ils sont sur le podium en train de chanter, c'est une autre personnalité, vous comprenez que là, c'est l'autre entité qui est en eux, qui a remplacé l'âme, qui est en train d'opérer en ce moment-là. Vous comprenez? Sinon, l'esprit est là et la conscience est là. Vous voyez? Donc, tu peux prendre la décision de dire, Seigneur, aide-moi. Sinon, contacter un vrai homme de Dieu, un vrai serviteur de Dieu qui va t'aider. Ah, en tout cas là, c'est un peu risqué parce que dès que tu voudras prendre contact avec un vrai serviteur de Dieu, le diable sera informé puisque tu l'as vendu ton âme, donc il te contrôle, il voit tout ce que tu fais. Mais si tu veux vraiment sauver ton âme, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, même qui as vendu ton âme au diable, tu seras obligé de prendre de grands risques en cherchant Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Waouh, c'est possible. Mon frère, si tu te retrouves seul à la maison et que tu vois que tu es attaqué par des démons, appelle Jésus-Christ. Jésus, sauve-moi. Dis ça seulement. Écoute, Jésus, sauve-moi. En anglais, Jesus, save me. Crie, Jesus, save me. Je t'assure hein, que ce démon-là qui te fatigue va prendre la fuite. Il va te laisser en ce moment-là. Pendant le temps où tu seras libre, profite de ce moment-là pour chercher Dieu. Mon frère, cours s'il faut, mais cherche Dieu. Tout en criant, Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi, et le Seigneur Jésus-Christ va t'aider, mon frère. Il va t'aider, ma soeur. Ça veut dire qu'il n'est pas trop tard
pour tous ceux qui ont vendu leur âme au diable d'être sauvés. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo pour vous dire de ne pas les détester, de plutôt prier pour eux. Il est encore possible. Car avec le Seigneur Jésus-Christ, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit, qu'avec Dieu tout est possible. Je vous donne donc une mission aujourd'hui. Et c'est ça même notre mission. Nous allons aujourd'hui prier pour tous ceux qui ont vendu leur âme au diable. Je suis sûr que tu as aimé quelqu'un qui a vendu son âme au diable. Et même que tu continues toujours à l'aimer. Aime-le! Mais aime-le dans le bon sens. Sauve son âme. Prie pour lui aujourd'hui afin que cette personne puisse trouver le chemin. Puisse avoir le courage d'abandonner toutes ces choses et revenir à Dieu. Que Dieu t'aide, qu'il nous aide tous dans cette mission. Que Jésus nous garde, qu'il nous bénisse. Souvenez-vous, en dessous de cette vidéo, c'est tout, s'abonner, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer nos toutes prochaines vidéos parce que nous allons entrer dans une phase de prière pour sauver les âmes fondues.